heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my success has only made it. Ready. Yo la team, nouvelle vidéo, vidéo très spéciale. Aujourd'hui, plus de 2 ans après, nouveau restaurant, c'est le Beef Restaurant qui est dans le 10e arrondissement de Paris. Et pour le coup, après les 3 codes off que j'ai mangé maturé, plus de 3 mois à la Simmental, 4,7 kg de viande avec monsieur Renaudi. Bonjour. Comment ça va? Bien. Daniel, franchement, il m'avait régalé. Hein. Chef du coup franco-israélien, c'est ça? Il m'avait fait 3 côtes de bœuf maturés, mais de fou, c'était balèze. J'avais assumé les 4,8 kg de côtes de bœuf Simmental maturés 3 mois. Il reste plus rien. La viande, les légumes, les frites, les sauces. Et là, pour le nouveau restaurant, du coup, tu as fait une carte un peu plus modifiée, on va dire. Ouais, un peu plus jeune, un peu plus dynamique. Et on reste sur les bases des très bonnes viandes. Après, c'est ça qui est notre ADN. C'est ça, la viande, le bœuf. Il y a aussi du veau, du poulet. Et ce soir, il m'a dit, Daniel, pour le nouveau restaurant, on te fait un gros défi. Tu vas manger toute la carte. Mais vraiment, toute la carte. Entrée, les viandes, donc les plats, la côte de bœuf et peut-être les desserts s'il y a de la place. Mais j'ai droit à un joker, j'ai ramené un joker qui mange beaucoup. Ah ouais. Qui a un palais aiguisé, affiné, un peu chiant des fois. Monsieur Rudolph, viens ici là. Il a un peu c'est... Triche, non, non, t'inquiète pas. C'est lui, il mange pas beaucoup en fait, là il est malade là. Il est fatigué. T'es un vrai chef là. Ouais, ça va être cool. C'est excellent. J'ai regardé la carte, j'ai vu qu'elle est quand même big. Donc on va voir ce que ça va donner. Et honnêtement, je suis venu il y a 2 jours pour l'inauguration du restaurant. C'est incroyable. L'araignée. De beau. Ça, c'était ouf ça. Incroyable. Du coup, nous, on connaît un peu les produits, mais là, on va tout manger. Vous êtes prêts? T'es prêt? Bon, c'est parti. On a enfin à table avec du coup tout ce qui est entrée. Qu'est-ce qu'il a? Il a 2 cocktails lui. Citronnade maison, donc sans alcool. Pas d'alcool. Moi, j'en ai 5 du coup, toute la carte. Il y a un Negroni, il y a un spritz revisité, donc le spritz du beef. Il y a un espèce de gin tonic à base de rose. Il y a un espresso martini et il y a un daiquiri, je sais plus quel fruit, cannelle. Cannelle, c'est ça. Que ça soit froid ou chaud, il y a un peu de tout. Du coup, je vais faire appel à mon petit sèche, à savoir Daniel. Daniel, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a du coup comme entrée? Alors, on a l'incontournable des French cigars. Donc voilà, donc ça c'est pas avec la viande de bœuf hachée 2 fois, c'est très spécial, très savoureux à la française. Donc c'est pas un brick et les graines marocaines, c'est très très savoureux. Magnifique. Très, très avec du coup la moutarde aussi, c'est ça. La moutarde et parfait. Un peu de citron, ça rafraîchit un peu le plat. Ok. Après on a le tataki de bœuf, donc c'est un faux filet. Ça tu vas kiffer ça à moi ça. Ça tu vas kiffer ça. Exactement. Faux filet. Et cuit juste bleu, juste saisi. Ok. Même moins que bleu. Et on met dessus une beurre aromatisée maison à la sauge. Ok. De poudre de croûtons de pain, ça veut dire des croûtons qu'on cuit à l'ail et après on fait un poudre avec. D'accord. Ciboulette et oignon rouge. Parfait. Là c'est le tartare, donc c'est un tartare et là on a fait le green tartare. Pesto de persil et amandes, patates douces. Capre et graines de courge. Ça, c'est assez rare à trouver, mais là, vraiment, il n'y a que du bœuf. Rillettes de bœuf. Là, t'as le cigare, t'as une couille, t'as vu? Il en manque une, t'en veux une? Non, c'est bon. Ok, super, incroyable. Et c'est quoi, c'est, du coup, c'est écrasé là? Donc, ça, c'est une crème de cornichon. Oh! Ouais, c'est des cornichons écrasés avec la moutarde. Ok. Ok, qui font une vraie crème, donc ça a un peu aigre de cornichons, voilà, ça c'est intéressant. Ok. Ok, avec des petits cornichons, des petits. Très bien. Et comme c'est que du bœuf, donc c'est pas très gras. Non, ça va, c'est sympa. Bon. Là, on a la chèvre chaude, donc c'est une boule de chèvre. Ouais, c'est bon. Moi je suis plus burrata mozza, chèvre, cadeau, tiens, vas-y, je te laisse ça. Donc c'est une boule de bûche de chèvre panée et frit. Ok. Et beaucoup de miel dessus et pécan caramélisé. Ça se mange très bien avec la salade. C'est original ça. Ça j'en veux. C'est très sympa. Tiens, et là ta boule. Oh ta gueule. Là on a une autre version de la poutine. Oui. Donc c'est des frites. Maison. Beaucoup de sauce, oui. Donc là, et beaucoup de sauce sauce au poivre, donc c'est assez puissant. Ok. Et nous on met du brie dessus, on le fait fondre. Ok. Donc c'est bien costaud. Et là le brie de Meaux truffé. Et le brie de Meaux truffé maison. Donc c'est un brie de Meaux qu'on tourne nous-mêmes avec de la truffe. On fait une confiture de orange amère. Donc c'est orange qui sont cuits avec la peau, avec du sucre et après écrasé. Donc c'est un sucré avec beaucoup d'amertume. Super. Et quelques graines de courge pour le croustillant. Ah ça change là, après les 3 coups d'œufs que j'ai mangé avec toi, 4,7 kg de viande maturée pendant 3 mois, la Simmental, là on passe sur toute la carte. Entrée, il y a 9 plats. Mmh. Viande, burger, côte de bœuf. Let's go. Merci beaucoup Yael, franchement au top. Bon, moi je vais goûter daiquiri. Ouah, il l'a chargé hein. Costaud. Comment c'est pour quoi monsieur? Le cigare? Allez, let's go. Le cigare, chine de cigare. Qui est la plus grande pour voir toi? Ah c'est moi. Ouais. Bon allez, on va faire les choses bien. C'est incroyable.
Ah, niveau épices, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais. Waouh. Mais comment ils font les gens qui mangent pas de viande, sérieux? Demande à ta copine. Les hippies vegan power. Do not even. Je rigole. Et toujours. Mais c'est excellent, genre. Ouais. En fait, tu peux manger genre 10 quoi. Tu sais, tu juste avales. Ok, on va faire un défi. Dans une semaine, on revient ici, on fait un défi cigare. Tu en manges le plus. Celui qui en mange le moins, il a un gage. Tu penses que je te gagne parce que ça va être gras. Tu vas pas kiffer le gras. J'ai déjà fait le sang modestique, sans tenders, le sang nuggets. Bon, fini. Ouais. Bah, moi, je goûte le tataki pour la peine. Ou t'aimes pas le saignant. Est-ce que ça va faire un petit truc? Est-ce que c'est food porn? Alors c'est du chef, forcément, non, bah c'est oui, pas de la bourrata. Par contre, je pense que c'est très le bon. Le chèvre frit, Oh, monsieur, c'est comment? J'aime trop. Ah, moi, j'aime pas le chèvre, donc je peux pas le dire, mais le bœuf tataki. Putain, c'est bleu, avec du beurre par-dessus. Chèvre miel, ça mâche, hein. Après, si t'aimes pas, ils sont bleus, compliqué. Ouais, c'est bon, mais... Mais ça, c'est un délice. Après, c'est goût. On partage. Quand c'est un peu salé, je prends une beaucoup de verdure. Apparemment, ça rend aimable. Comme les carottes, comme tu l'es pas. Du coup, il a insisté de fou. En ce moment, t'es un peu irrité, là, t'es malade, t'es fatigué, t'en as marre d'un boulot où tu bosses. Une chips de. C'est quoi, c'est du panais? Bon, c'est des chips de patates douces. Finish. Prends des forces, parce qu'après, il y aura des coups de viande et des burgers. Un burger, deux burgers. Il y a le beef burger et le burger classique. Bon, tant que tu finisses, moi, je vais goûter du coup le tartare. Bon, la poutine parce qu'après, effectivement... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oh, il y a du fromage, il y a du brie. Si bon, là, c'est full fruit fraîche maison qui goûte sauce poivre. Ça a l'air pas mal, hein. Ah, il y a carrément les graines de poivre. Wow, ça fume. T'as vu? Fruit de poivre, ça marche bien. Alors, moi, le brie, je suis moins fan, donc j'en laisse. Ah, je t'avais l'idée. Si je mange tout, par contre, après, pour la viande, c'est chaud. Mes pauses abdos, elles vont disparaître d'un coup. C'est bon. Moi je suis pas team frites de base. Moi j'adore les frites. Mais nature. Oui, de base. Pas les genre... frites, genre sans sel. C'est très bon, bah tiens, je te le laisse. Moi je vais la viande. On est après. Tu fais quoi? La rillette de bœuf ou le tartare? Tartare? Bon, on va faire la bouchée parfaite avec le pesto, patate douce, le bœuf. Patate douce, tu as oublié. Torréfié, non, il est là. Alors? C'est bon, mais je te le laisse. Hein? Parce qu'après, il y a quand même pas mal de bœuf à manger, hein? Ça va, c'est un truc franc. Ça, je pense que je vais. T'es chiant, il commence là. Il laisse tout ce qu'il a mangé comme bœuf là. Pour l'instant, numéro 1, c'est le chef frais. Non, cigare, c'est chef. J'allais dire. Restaurant de viande, numéro 1, c'est quoi? Le fromage. Fromage, d'accord. Monsieur, aide moi là à manger les rillettes là. Ah oui, ah, oui, ok. Bon, fromage, je vous laisse. Brie de mots, truffé. Truffé. Vous en voulez? C'est bon? En fait, ça va pas sur mon visage, mais je suis un vrai français en fait. Hein. Français lui? Je commence à être bien, là. Mais il reste encore 9 morceaux de bœuf à manger. Finish, entrée terminée, on passe au plat. T'es prêt? Ça va être costaud là, très costaud. Let's go. Bon, on passe au plat. Des choses sérieuses. Des choses très sérieuses. Daniel, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a tout. Toutes les viandes? Tout? Ça, je connais. Je me rappelle de ça. Donc une entrecôte, angus, irlandaise. Côte de bœuf? 1 kilo. Voilà. 1 kilo, propre. Calmement. Rien à dire. Magnifique. Avec quelle sauce maison du coup? Alors, toutes les sauces, on a la sauce poivre, c'est la seule qui est un peu classique chez nous. Ok. Un peu. Ouais. Là, c'est la sauce vertigineuse, donc c'est un pesto au persil et avant. Trop bien. Ça, c'est la sauce beef. Donc ça sort de... c'est un chimichurri qui est monté comme un aioli. Chimichurri, c'est une sauce vierge argentine. D'accord. Et nous, pour les mêmes saveurs, on le monte comme un aioli. Donc mayonnaise, c'est un sort de chimichurri. Du coup, c'est un peu piquant, non? Chimichurri. Pas piquant, mais c'est acidulé, beaucoup d'herbes. Ok. Origan frais et oignon rouge, vinaigre de cidre. Ok. Ça, c'est un passe-partout, tout le monde adore. Et celle-ci? Ça, c'est la sauce hisson. Saucisson. Et là, c'est quoi la vertigineuse? Comment tu peux oublier la vertigineuse? On dirait chimichurri un peu aussi piquant, tu vois, comme poulet brésil. Comme poulet brésil. Du coup, côte de bœuf, 1 kg. Là, on a le araignée de veau. Ça, on a mangé. C'est ça, incroyable. C'est une symphonie le truc. Je connaissais pas du tout. Hein. J'ai hâte. Arrière de bœuf, oui, mais de veau. Ouais, c'est une pièce très très rare, ça veut dire qu'il y en a quelques centaines de grammes par bête. Et c'est situé dans ça le... C'est bon. Ce qui est rare, c'est incroyable. Dans la jambe, d'accord. Très difficile de se bœuf. C'est bon, putain. Mais vraiment, okay. Ça a une texture très très spéciale, couleur très spéciale, et pour les connaisseurs, c'est vraiment... C'est délicat. Okay. Là, on a l'entrecôte XXL. Celle-là, elle a 450 grammes. D'accord. Okay. La race de celle-ci, c'est de la Normande. Okay.
Là, on a le faux filet. Faux filet simmental, donc race allemande-hollandaise, dans ce cas-là, c'est Pays-Bas. Mm-hmm. Et donc, faux filet très sombre, pas gras du tout, très facile à manger et beaucoup de goût. Ok. Et la bavette. Là, du coup, c'est le poulet, ça. Là, c'est le shawarma française. Ok. Cuisse le poulet désossé, émincé. Incroyable. Ouais, sauté au saveur française. Donc, il y a de la sauge, il y a de l'oignon, du beurre. Incroyable. Et persil. Et burgers, du coup. Donc, on a deux burgers chez nous. Le cheese classique, donc c'est sauce beef, burger et roquette et mental français. Ok. On n'a pas parlé de la viande de derrière, donc c'est un mélange de basse-côte, entre-côte et faux filet. Basse-côte, entre-côte, faux filet, oui. Mélangé. Haché et mixé. Tout est haché gros, donc il y a de la mâche, vous allez voir, c'est pas assez caché dans le temps. Ouais, je vois ça, là. C'est celui-là, là, le bif là. Voilà, et ça c'est le bif. Double. On appelle le bif 2.23, comme la date d'ouverture. Ok. Donc celle-ci, on a le pesto à l'intérieur, on a deux préparations de parmesan, donc croustillant de parmesan qui est là, et parmesan est fondu dessus. Ah bon, ok, d'accord. Ok. On a des poudres de croûtons, donc encore pour le croustillant, et vous allez voir, il est très croustillant. Okay. Un peu d'oignon rouge et salade. Okay, et légumes. Nos légumes. Hippie World. Voilà. Choux, champignons, et un peu de navet. Un peu de poivre rouge. Fenouil. Ah, fenouil. Le fenouil. Ouais. La purée, c'est ça? La purée, donc ça c'est la purée fraîcheur, on l'appelle. D'accord. Et elle est faite avec du citron jaune, zeste et jus. Ah, j'ai senti le citron. Ok. Et elle est fraîche, ça. Et cébette, beaucoup de cébette et persil. Ok. Et encore sur la fraîcheur. Et notre frite, fameuse frite. C'est de la grilla. Pomme de terre à grilla. Et qu'on reçoit avec la terre et tout. On nettoie tout chez nous, on le coupe chez nous. Et en double cuisson. Ça veut dire premier bain à 130-140. Magnifique. Refroidissement le lendemain. Cuisson à 180-190 pour le constituant. Je connais. Bravo au chef. Respect au chef. Ouais, on a hâte. Daniel, merci beaucoup. Merci. On commence par quoi? La côte? Ouais. Ok. Allez. Ok, ça marche. Let's go. Merci beaucoup. Merci. Le monsieur aime bien quand c'est bien cuit, moi quand c'est plus saignant. Ouh, la tendresse. T'as vu ça un peu? Waouh. Mmh. C'est bon. T'as vu? Tu sais, quand c'est maturé, ça a un goût plus fort. Mais c'est bon. C'est tendre en plus, c'est bon. Non mais... C'est fort, regarde là. Toi, moi j'arrêtais pas de dire c'est ouais, juteux. J'aime pas le bœuf, je suis pas trop bœuf. Comme par hasard, on fait que viande, viande, viande. Et là du coup, putain. Après... J'ai l'impression de renaître, d'être sur un renouveau. Là c'est une pièce de qualité, non, je c'est la bonne viande, mais la cuisson aussi. C'est pas cuit dans un grill ou quoi, ni au four. Ça a la poêle, et pas mal de beurre. Tu vois le monsieur, il n'y a pas le bœuf. Les gens qui ne mangent plus de viande, comment ils font en fait enfin, ils font autrement. C'est une vie triste. Ah oui. En fait c'est comme une vie sans couleur, j'ai envie de dire, tu vois, c'est un peu ça. C'est une vie en noir et blanc. C'est bon, hein. Et encore là c'est 1 kg. Moi j'avais mangé il y a 2 ans, la Simmental, encore plus fort en goût, plus maturé, 3 mois, c'est quand même pas mal, tu vois. Et pouah, 4 kilos de ça, c'était bien. Hein. Allez, bavette. Bavette ? Allez. Là, c'est plus filandreux, on va dire. Il faut que je goûte la sauce hisson. Elle est là. Là, c'est marrant, c'est. On dirait qu'il y a du chorizo. À la fois doux, soleil, piquant. Oh, on en a trop, on en a moins. Là, c'est quoi, là ? La vertigineuse. Ok. De pesto chimichurri, un peu. Ouais, c'est pas trop gros morceau. C'est la bif, là. Attends, on va goûter avec les frites, quand même. Elle est vinaigrée. Et celle-là, la poivre, avec les vraies graines de poivre, là. Ça t'aime bien ça. On passe au faux filet, monsieur. Tiens, là, c'est bien cuit, hein. Ich. Ich, récupère ton cas. Moins tendre. Ouais. Plus costaud. 1, 2, 3. Bah, ça n'a rien à voir. Là, c'est un morceau qui est plus gras, quand même. Donc, plus tendre. Là, c'est plus filandreux. Là, c'est plus épais. Ouais. C'est plus dur. Ensuite, là, l'entrecôte. Donc, t'as réduit un peu de gras aussi. On va tout manger, là. On va tout manger. Qu'est-ce que tu me crois? Niaise de bien. Pas de chipotage, là. Très bon. T'as du goût, hein. En fait, ce que tu kiffes par-dessus tout, là. L'araignée de veau, ultra rare. Je comprends maintenant pourquoi c'est aussi bon. En fait, c'est ultra tendre. Voilà. C'est du veau. Ouais, il y a du veau, c'est du veau, il y a du veau. Ah ouais, c'est du veau. Ah, mais c'est bébé, c'est pour ça que c'est aussi tendre. Ouais. Je ne goûte pas mon plaisir. Pareil. Maintenant, on va goûter le poulet. Poulet. Ah, je connais, j'ai goûté ça à l'inauguration, c'est une tuée. Cuisse désossée, bien marinée, ultra tendre. Wow. Celui qui aime l'ail, l'oignon, la persillade, le poulet, incroyable. Franchement, le bœuf, c'est bon. Il y a du chou rouge, les champignons. Le poulet, c'est trop bon. Ouais. Le poulet, c'est trop bon. Quoi que ça, c'est quoi ça? C'est anisé, navet. Ah non, merci. Je fais honneur aux champignons. Quel compliqué celui-là. Et le burger, il est comment là, monsieur?
Le pain, il est très brioché, moelleux, potato bun, fondant, croquant, fin, appétissant, succulent, gourmand, ah oui, c'est envahissant. Bien brioché. Mmh. Alors, c'est moi ou le mental, il est pas cuit? Le quoi? Le mental. Ah non, il est posé comme ça. Mmh. Une tranche qui est posée, un peu de chalumeau dessus, mais moi, ça me dérange un peu. Moi aussi. Bon, ensuite, du coup, il reste plus qu'un burger. Je pense être bien, là. Il y a une parmesan en tuile et parmesan au chalumeau. Ah, tu vois, le pain est sympa, mais je trouve qu'il est trop friable. Ouais, il est friable. En même temps, on dit tout, hein. Quand c'est bien, moins bien, nos goûts, nos couleurs. Wesh. Attends, mais ah, putain, il faut plus. Ah ouais, tu vois, il s'est complètement déchiqueté. Tu vois, le pain, il s'est déchiqueté. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, allez. Par contre, vos viandes, ça ne date pas. Hein. C'est fort en parmesan. Alors, apparemment, l'astuce pour bien manger un burger, c'est de caler vos deux petits doigts là-dessous pour maintenir le burger. Je l'ai vu il y a pas longtemps, ce truc, cette astuce. Quelle est ça? Peut-être qu'il y en a qui le faisaient déjà, mais au moins, ça fait qu'en gros, ça tient. Mmh. Et là, après, vous pouvez aller à plein dedans. Ça passe bien, hein? Je dis mal pour le burger, par contre. Bœuf parmesan, c'est original. Mmh. Je vais être honnête, moi, les burgers, j'ai... Moi aussi. Moi, c'est... Après, c'est mon goût de couleur. Hein. C'est plus genre steak, raclette ou... T'as la brie de Montfondue. Ouais, ça m'a... Ou Tom de Savoie, ou Sheila. Le pain, je vais manger, je pense, pour pouvoir manger mes trucs, mais j'avoue, seulement on est honnête. Voilà. Transparent. Mais la viande est ouf. Mais la viande est bonne. Mmh. Très bonne. Mmh. Ah oui, la fameuse purée maison citronnée. C'est très bon. Quand on veut manger ce que tu veux, tu veux manger quoi? Ça, les amis. Ça fait peur sur moi. On m'a converti au bœuf. Eh oui, monsieur. Putain. Le bœuf. Votre ami, c'est le bœuf. J'ai comme faire revenir au bun parce que le bun en lui-même il est bon. Pour moi il est trop brioché, enfin trop friable. Mmh. Par exemple, quand on mange tiède, sur les photos, les vidéos, machin et tout, le fromage il a collé au pain, à la mie de pain. Du coup c'est pas un problème d'équilibre. Et niveau sauce, tu préfères quoi? La poivre, la bif, la fraîche, quoi, la vertigineuse? La bif. La bif? Pas la bif, pas la bif. Hein? La bif, hein? Oui? Je dis bif. C'est pas la bif, là? Je dis bif. Il est cochon lui, c'est bon, il a vu quelqu'un qui le bien. Et ensuite la sauce hisson, et après la poivre, et en dernier la vertigineuse. Ça fait quand même beaucoup de viande, hein. Araignée de veau, un peu de poulet, filet, bavette, côte de bœuf, entrecôte, plus les entrées, rillettes de bœuf, machin et tout. Poulet. Alors, on va faire un sondage dans les commentaires. Mm. Qui est viandard, qui est veggie ou vegan? Pour savoir si vous le suivez. J'avoue, vu mon contenu, les veggies, je sais pas si ils me suivent beaucoup. Hein. Mm. Assassin! Ça le fout! Bon, bah j'ai bien mangé. T'en veux ou pas? Non, je peux plus. Tu peux plus? Oula! Alors, candidature, envoyez-moi au CV. Recherche, partenaire de vidéo, qui mange beaucoup, qui a de l'appétit, qui a un palais critique, affiné, aiguisé. Parce que là, oui, il est au chômage, là, il galère un peu. Mm. Tu te régales? Oh oui. Et toi? Il était un... D'ailleurs, j'ai plein d'abonnés qui me demandent en commentaire. Il est passé où le Blue Roster? Faut que tu le répondes, parce que du coup, tu me dis, ah, il est plus là, le poulet frit, ça me manque et tout. C'est une longue histoire. Mm. Mais une nouvelle histoire va peut-être s'écrire. Ah ouais? Au courant. On vous le dira plus tard. Quoi? Mm. Je suis dedans, moi? Peut-être. Ah bon? Bon, soyez là-dessus. J'espère que ça ira prochainement. Bon, Mister Côte de Bœuf, terminé. Ça blague n'empêche, hein. Côte de Bœuf, là, m'a tué. Pas du coup, maintenant... Bah, je vais manger tout le poulet, tout seul. Mais mange un peu de bœuf aussi, laisse-en moi le poulet, wesh. C'est pas calé au Blue Rooster. Mais il n'y a plus de Blue Rooster. Mange un peu de bœuf aussi, là. J'ai mangé deux morceaux d'araignée, au filet, entrecôte, oui, un peu de burger. Des petits morceaux. Pour l'instant, j'ai une préférence. Numéro uno, entrecôte. Ça? C'est là. Côte de bœuf. Côte de bœuf. Côte de bœuf numéro 1. Ok. Poulet numéro 2. Ah ouais. Araignée numéro 3. Cigare. Ah. Et après le reste, ça se vaut. Je compte pas les frites dedans parce que c'est un accompagnement, mais elles sont très bonnes. Franchement, ils les gèrent d'une main de maître. Ok. Les légumes, c'est quoi ça? Une carotte. Mmh. Peut-être douce. Mmh.
Voilà. C'est bon? Bien vu. Là, t'as trouvé un petit trésor là-dedans. Dites-nous, comment t'as un prochain restaurant à tester? Parce qu'à Paris, en banlieue. Ah, même en France. Hein. Moi, je suis prêt à aller jusqu'à Lyon. Si déjà, il pleure pour Bobigny. Bobigny, c'est loin. Ah, c'est trop bon. Donc là. Philo Grill. Ouais. Paris, banlieue. Ah oui, dites-nous, quel est pour vous le meilleur à volonté que vous ayez fait à aujourd'hui? Avec Alain, on a une petite idée. Il y a deux trucs qu'on a envie de faire. Non, mais tout le monde va dire buffet de Narbonne. Oh, mais en dehors. Moi, je l'ai fait. Okay. En dehors du buffet de Narbonne. Alors, Île-de-France, hein, du coup. Ouais. Île-de-France, voilà. Ok. Et selon ce qui ressort, on ira tester. C'est pas le bœuf, du coup. Putain, mais tu manges tout le poulet. Tu manges tout le bœuf. Et moi, je mange tout le poulet. Non, bah non, tu le manges. Putain, je mange le poulet. Ça, c'est que sur mon visage, mangeur de poulet. Le pain est bon, il a un bon goût, mais il est trop friable. Donc, c'est dommage. Je mange ça de l'éprouvère, oui, mais je mange ça avec les mains, c'est chaud. Bah, j'ai le hack que je vous ai donné de mettre le petit doigt en dessous. On mange pas. Avec le petit doigt. C'est bizarre lui. Ça marche pas. Mais toujours des phrases allusion à des. Il est chelou. Je suis besoin d'accent. Il n'y a que du gras, le nerf. Donc ça, il te reste l'araignée. Je ne mange pas. Ah oui, c'est vrai, il reste l'araignée. Tiens, magnifique. L'araignée avec une sauce un peu sauce poivre. Je commence à être plein, c'est normal. Donc pour info, la viande n'est pas halal ni cachère. Tu ne pas, MC Guigui. Ah bah sans moi. Mais du coup, je vais manger ça. On s'y va? Hein? Ah oui, monsieur, pas de gâchis, mange tout, moi. Ah oui, tu vas manger le beurre, là. Au moins la viande, quoi. Ok. C'est bien. Parce que là, côte de bœuf, au filet, côte de bœuf. Super. C'est bon. Bon. J'aime bien. Ok. Pour moi, c'est frais. Ah oui, maison. C'est archi frais. Hein. Artisanal. Pas fait les rushs. C'est pas des steaks bizarres, vous allez acheter sur le bon coin ou ailleurs. Mélanger avec du poussin, des morceaux de je ne sais pas quoi. Steak frais bizarre du bon coin, c'est chelou quand même. Il y en a, hein. AliExpress, carrément. Finish. Oh, allez, je suis plein. Moi, je me sens bien. Stop, on ouais, moi, j'ai beaucoup de besoin. Bon, monsieur, dessert. Oui. Moi, j'ai fait mon tarte pour le bœuf. Débrouille-toi maintenant. Regarde, t'es où celui-là? Débrouille-toi maintenant. Bah oui. Du balai. Tu voulais du sucré. Moi, je veux. Alors, du sucré. Déjà, on a droit à. C'est une chantilly vanille. Vous voyez, je sais pas si vous voyez les petits points. Dès qu'il y a des points en général, bon, sauf qu'il y a des trucs chimiques, mais là, c'est des vrais points de vanille. Eh, c'était à moi, ça. C'est ça, c'est la tarte pomme d'amour. Donc, l'amour toujours. Surtout que c'était la Saint-Valentin il y a quelques jours, là. C'était hier, je crois. Enculé, regardez-le. Pas touche minouche. C'est trop bon. Pas touche minouche. T'as dit que tu voulais pas. Après, j'en ai un peu faim. Ah ouais, vas-y. Toi, tu prends le cheesecake. Cheesecake, ça, c'est j'aime pas. Ouais, c'est plus fin, ouais. Ensuite, il y a le cake à l'orange, là, chocolat. Et j'aime pas de quoi t'as les trucs. Ouais, je suis bizarre, lui. Cake, chocolat, orange. Allez, pomme d'amour. Voyons voir ce que ça donne. Bif. Je suis plein. C'est bon. C'est bon. Mais la pâte, c'est cuite ou quoi, là? Je sais pas. J'ai pas l'impression. Ça, c'est un peu bizarre. La pâte, elle est bizarre, non? Mmh. Très franchement. C'est moi, elle me paraît translucide un peu. Ouais. Je goûte le cheesecake du coup. Mmh. Il est pâteux. Je peux manger dessus depuis longtemps. Mais c'est bon. 3 jours. Ah ça, il manque juste de la glace vanille. Oh putain, il manque de la glace vanille. Ils l'ont dans l'autre restaurant, ils ont là des glaces vanille. Par contre, les petits points noirs, c'est la vraie vanille ou c'est la vanille Vanille, je te jure, vanille. Vanille, vanille. Vanille puissante. Goûte. Putain. Oh, c'est bon! Délice! Ah ouais, j'avoue! C'est puissant là! Ah, c'est très puissant! Ah, c'est trop là! Écoute, je sais pas, il y a peu de desserts, mais d'après c'est des desserts maison. Ah, je prends une claque de d'agrumes là! Ah, je peux pas, I can't! Ah, c'est comme la Lumi pour moi ça! Heineken, Daddy? Ah, je peux pas, ça, c'est bon! Ça, pour mon mi-check de samedi là, il me faut ça! Je pourrais venir que pour ça! Mais c'est ouais, bon! Parce que j'ai prévu de faire un mi-check géant samedi à la maison! Goûte, c'est bon! Non, je sais pas, l'orange ça me. Je sais pas! Je sais pas! Ah, mais ça, je pourrais manger, je vais manger les 4 d'ailleurs, c'est pour moi de toute façon! Préférence du coup, dessert? Ça! Ça? Ça, je pourrais nager dedans. Mais c'est pas un dessert, ça. C'est un dessert. C'est une partie de dessert. C'est un topping. C'est une partie de notre dessert. Mm-hmm. Et Van, il faut qu'on fasse un défi glace. Ouais, je vais te niquer. D'ailleurs, si vous connaissez un glacier, pas la Martinière. Pour ceux qui ont dit la dernière fois, je connais la Martinière. Ok, je connais très bien la Martinière. Meilleur glacier de France, hein, un des meilleurs. Île de Ré, 17, on connaît. Donc, on commence sur pas, hein. Paris, Île de France. La Bretagne. 35 Rennes, yes, yeah, ici. 22. 56 Morbihan, yes, yeah, yes. Yeah. 22 Saint-Brieuc, ouais, Côte d'Armor, Zébi. Bon, bah les amis, on va clôturer là-dessus. Hein. T'as goûté ça? Ouais. C'était comment? C'est très compact. C'est un bon goût. Ah, le biscuit est bon. Ah oui? Le biscuit bon, hein. Est bon. Ah oui. Oui, 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 oui. Ah, le biscuit est bon. Wow, c'est dommage, j'aime pas les agrumes. Mais le biscuit. Bon, merci au restaurant Le Bif Paradis. Nouveau restaurant du restaurant Le Bif Steakhouse à rue des Rosiers. Là, on est rue je sais plus quoi. Paradis. Rue de Paradis, du coup, forcément. Rue de Paradis. Voilà. Ah, oh, c'est marrant.
Bah oui. Franchement, incroyable. Si vous aimez la viande, que ce soit maturée, fondante, saignante, croquante, bien cuite. Pour les veggie power, des vegans, des hippies, il y a passez, ce qu'il faut. Passez votre chemin. Oui, ce qu'il faut, chèvre chaud, salade, verdure. Ah oui, le chèvre chaud. Ah oui, 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 oui. Vous pouvez venir. Par contre, du coup, après, bon, il y a quand même beaucoup d'animaux à côté. Tu es sur Insta, donc il y a le Beef Paradis, le nouveau Insta du restaurant Le Beef, et le Beef Steakhouse officiel. Voilà. Pareil pour moi, les réseaux Insta, Snapchat, Facebook, TikTok. Pas Twitch? Non. Discord? Oui. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, la cloche pour l'activer, notification. Dans 2 mois, projet pro qui arrive prochainement. Dans 2 mois, j'espère, Inch'Allah. On transpire, hein. Ah, t'es dedans? Donne trop l'info. Bref, suivez-nous sur Insta, c'est important parce que vous allez voir un peu des coulisses. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao. Ready.